Je me la joue Mohamed Hennie. Aujourd'hui, la France contre l'Angleterre. On l'a fait, les amis, on l'a fait! C'est historique! Le grand chelem, on l'a enfin! C'est le grand chelem, on a réussi! C'est historique! C'est un triomphe total pour nous! 12 ans que c'était pas arrivé, la vie de Marum, c'est fantastique! Je ne pensais pas qu'on y arriverait à nouveau! C'est le bonheur! C'est le bonheur total! Je me demandais à la mi-temps justement, c'est quand le bonheur, je chantais la chanson en question, et bah ça y est, c'est fait! C'est un véritable triomphe! Et quand je pense que je n'ai pas voulu acheter de shampoing parce que je pensais que ça allait nous porter la poisse, j'ai peut-être bien fait en fait. C'est le triomphe de tout un peuple. On a été triomphant du début à la fin, on a mené haut la main. C'est historique, on ne pensait pas qu'on y arriverait un jour. Ouh, c'est un triomphe total. On a réussi. Ouais! Depuis Saint-Denis, dans la France entière, on a réussi! C'est historique! Ouais! C'est historique! Je ne pensais pas qu'on y arriverait! Et c'est génial cet essai! Le premier essai marqué par Gaël Ficou! C'est Gaël Ficlou! Il est le premier à avoir cloué ses péteux de rose bif! Ce n'est plus le 15 de la rose, c'est le 15 de la loose! On leur a mis la loose à ces scrétins des Alpes! C'est génial! C'est tout à fait bon! C'est magnifique! Et ce deuxième essai, juste avant la mi-temps, j'ai eu de très nombreux doutes là-dessus. Parce que je pensais que le ballon n'avait pas totalement franchi la ligne, mais apparemment si, puisque l'arbitre l'a validé. Ouh. Ah là là, ça m'a mis en haleine pendant toute la période. Mais la deuxième période a été clairement la plus dure. On a eu beaucoup de mal à se concentrer, mais ils ont eu une défense en acier trempé. Nous avons eu la défense qu'il nous fallait. Et Antoine Dupont, oh, il a réussi à percer la défense des Britanniques, de ces Anglais. Ils avaient vraiment une défense en carton. Ce qui nous a permis de marquer le troisième et dernier essai de la rencontre. C'est tout simplement merveilleux. Et il faut bien. Et j'ai quand même un tout petit reproche à faire. Ça concerne Melvin Jaminet, Melvin Gaminet. Je l'ai jugé un peu trop gourmand. Il avait tenté une pénalité de beaucoup trop loin, mais quand même. Mais bon, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, puisqu'on a gagné haut la main ce grand chelem qui nous attendait depuis 2010. C'est fantastique, je ne pensais pas qu'on y arriverait, maintenant on y est arrivé. De quoi continuer à espérer encore beaucoup de choses pour les années à venir. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'on réussirait. C'est incroyable, c'est historique. La remise du trophée a été faite et c'est le feu d'artifice au Stade de France. Je remercie tous les joueurs qui ont participé depuis le début de ce tournoi. Et un grand bravo à Fabien Galthié. Je pense que c'est le meilleur entraîneur que le 15 de France puisse avoir pour l'instant. Mais il faut quand même continuer à cravacher si on veut espérer remporter beaucoup plus de choses. Eh oui,
On pourrait enfin dire bye bye aux ces rose beef. Et quand je pense qu'il y en a un qui me foutait la trouille depuis le début. C'est cette année Maro Itoje. Ce n'est plus Maro Itoje, c'est Maro Itotege. On l'a jeté, on l'a tège. Ils ont perdu les rose beef et on les a battus. Et on a gagné ce titre. Et on a gagné ce grand chelem. Ça nous... Jamais je n'aurais pu imaginer qu'on réussirait. C'est tout simplement incroyable. Ah, les Rose Beef, ils nous ont mis tant de bâtons dans les roues ces dernières années, mais on a réussi à triompher cette fois-ci. Un grand bravo à tous. Un grand bravo à la France entière, à toute l'équipe et à la France entière. Et moi-même, bien sûr, je les ai bien soutenus. Et je continuerai à les soutenir. En espérant qu'ils puissent faire, qu'ils puissent aller encore plus loin ces prochaines années. Et on a gagné quoi? Le Grand Chelem des Six Nations. Les Six Nations. On a le Grand Chelem. Une dernière chose à dire avant de terminer. Je tiens également à féliciter la Squadra Azzurra, l'équipe italienne qui a réussi à triompher des Gallois. Ils ont mené au score pendant une longue partie. À un moment donné, les Gallois ont pris les devants. Mais cet ultime essai dans les dernières minutes de la rencontre. Et tout près des poteaux, ce qui a permis à l'ouvreur de réussir la transformation qui leur permet de gagner ce match. Tant de cuillères en bois qu'ils ont ramassé, cette fois-ci, c'est terminé. Un grand bravo aux Italiens pour ce triomphe et cet exploit. Un grand bravo à tous et un grand bravo à tous les autres quand même. Et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres aventures.